et dire que ça fait déjà très longtemps que je veux vous faire ce genre de vidéo. Juste pour venir vous parler de ce fruit qui se nomme Kitsune, qui arrive prochainement. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez joli. Rien qu'à le regarder, ça nous donne déjà envie de l'obtenir. Sauf que pour l'instant, on doit encore attendre un peu l'update 21 qui arrive prochainement. D'après la carte qui a été mise sur Twitter, au début, le fruit de Revive a été quand même rework en Ghost. Après, maintenant, on aura enfin le fruit de Kitsune qui arrive prochainement. Normalement, il est censé arriver depuis novembre, d'après ce que je me disais. Sauf qu'après, il va avoir le rework de Dragon. Là, on pourra enfin obtenir ce fameux fruit qui se nomme Kitsune. Comme vous pouvez le voir, on aura 3 queues. Ouais, ça se nomme plutôt 3 tails. Et la transformation, il sera quand même incroyable. Mais par contre, le prix, il ne sera pas donné. Il sera tellement cher que ça va même dépasser le fruit de Léopard. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de tout vous dévoiler sur le fruit de Kitsune. Mais aussi la sword qui arrive. Mais aussi les accessoires. Il ne faut pas les oublier. Ils sont très importants parce qu'ils vont quand même nous servir à certaines choses. Mais aussi les événements qui seront aussi dans la game. Enfin, c'est le conseil pour l'instant. Sur ce, voici une petite avant-goût avant le vrai showcase. Let's go! Et dire que je pensais être le seul à être choqué de ce petit avant-goût. Ouais, c'est un petit avant-goût parce que là, vous avez encore rien vu. Normalement, si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui est sortie de GameRobot, il y a quand même rien que la position, elle est quand même assez incroyable. Mais les déplacements, ils sont encore plus incroyables que jamais. Bon, on aurait dit quand même qu'on est en train de jouer à Shinobi Live. Ouais, je sais pas si vous connaissez, mais là, normalement, vous êtes censé connaître une fois que vous aurez joué ça. Après, la première move, elle est quand même assez incroyable. Voilà, le fruit Kitsune, quand même, la première move, on peut quand même frapper les gens au loin. C'est quand même avec distance, ce que je kiffe bien avec cette attaque. Mais la deuxième move, elle est encore plus mieux que la première. Ouais. La deuxième move, elle permet quand même de faire une petite transition. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, ça fait quand même une petite Z bizarre. Ouais. Mais quand même, avec un combo, ça pourrait le faire tellement bien. Après, la move C, voilà, c'est la troisième move. Il lance une sorte d'orbe tourbillonnant. Ouais, je vais l'appeler ça comme ça parce qu'elle est quand même assez incroyable vu qu'elle sort sur la bouche. Ouais, en fait, on aurait dit que quand même c'est une orbe tourbillonnant étant donné qu'on est transformé en mode Jubi. Ouais, en mode démon. Ouais. Et donc, du coup, avec ça, quand même, on peut frapper les gens au loin. Mais la F, elle est encore plus incroyable. La touche F, elle va quand même permettre, non seulement on va pas voler. Ouais, c'est vrai, on va pas voler. Mais on peut grabber les gens au loin afin de pouvoir leur faire des moves de malade mental. Enfin. Des moves de malade. Et ça, je kiffe bien. Je pense qu'une fois que le fou sera là, les combos, ils vont s'enchaîner à base de cette touche. Ouais, tout le monde va commencer avec cette touche. Ça sera quand même assez incroyable. Et dire que là, je vous ai même pas encore montré la transformation qui va être encore plus incroyable. La transformation, c'est la plus incroyable parce que rien qu'à le voir, moi... Wow, ça me donne envie d'avoir ce fruit. Oui, il faut absolument que je puisse avoir ce fruit. Dès la sortie, on va essayer de l'obtenir. Non seulement on va pas essayer de l'obtenir, mais aussi de la monter les masteries et aussi la mettre à 600. On dit beaucoup trop de choses. Bon, on peut quand même sauter super méga haut, ouais. Mais le plus incroyable avec ce fruit une fois transformé, c'est que si tu mets quelqu'un en ally, c'est qu'il peut monter sur ton dos. Par contre, il faut éviter de se faire galocher. Ouais, parce que c'est eux qui nous galochent, pas le contraire. Donc du coup, il va falloir quand même savoir bien choisir ses partenaires. En tout cas, franchement, une fois que le fruit sera sorti, moi, je vais kiffer, je vais le prendre dès le début. Et là, vous avez encore rien vu. C'est que le reste, il est encore plus incroyable. Les attaquants, on peut les faire en version transformée. La première, elle est incroyable. Oh, je kiffe trop. La première, elle est incroyable. La deuxième, elle est encore plus incroyable que la première. Mais bon, là, je vous laisse d'abord regarder la première. Mais bon, en version spam. Ouais. Parce qu'une fois qu'ils sont tous spam en même temps, là, ça fait un truc de malade. Oui, c'est vrai, c'est un admin. Ouais. Comme vous pouvez le voir là, c'est sur un code d'admin. Donc du coup, il n'y a pas de cooldown. C'est pour ça que vous voyez les attaques en version spam. Ouais, ne dites pas que c'est quand même cool. Bon. Là, c'est la première move lorsqu'on le maintient, elle est quand même incroyable et elle change. Ouais, ça c'est quand même cool et je pense que ça peut permettre de grab des gens. Mais bon, là on passe sur le deuxième move. Le deuxième move, elle fait quand même une sorte, comme le léopard une fois transformé, on fait une sorte de move avec la touche
C. Ouais. Avec la touche, avec la touche T, avec le léopard, on peut quand même faire une sorte de move un peu bizarre. Voilà. Rentrer de droite à gauche. Voilà. Mais bon, elle est quand même assez incroyable. Et ça, ça permet quand même de faire un bon move. Et en plus de ça, avec ça, une fois que tu l'as fait, que tu grabes la personne, il y a le logo du fruit de Kitsune qui apparaît dessus. Ça, je kiffe tellement trop parce que ça fait quand même montrer l'autorité du fruit. Et oui. Et là, vous avez même pas encore vu la touche C. Une fois transformée, le jeu, il devient n'importe quoi. L'orbe tourbillon, il est super méga grande. Et pour une personne qui le spam, c'est vraiment incroyable. Ouais. Je pense que si c'est un admin qui rentre dans la game, il peut quand même détruire le serveur. Hein. Faut faire très attention lorsque vous les croisez avec ce fruit. Parce que ça peut devenir très dangereux. Mais bon, heureusement que les joueurs normaux, ils ont quand même des cooldowns. Parce que ça serait vraiment plus abusif. Mais bon, maintenant, on va quand même passer sur la touche F. La touche F quand même qui va permettre quand même de grab les gens. Ouais. Elle est quand même incroyable, mais elle permet quand même de grab des gens. Ouais. Même en version transformée. Et une fois que tu grab la personne, ça lui fait un truc de malade. On dirait le fruit de Phoenix. Le Phoenix avec la touche F, une fois transformée, ça grab la personne. En plus, on peut faire des dashs avec. Donc, ce qui est quand même assez incroyable quand même pour pouvoir jouer. Et oui, ça sera quand même l'une des fruits les plus extraordinaires quand même jamais connu sur le fruit, parce que après Mammouth, maintenant qu'on a une nouvelle transformation. Mais après ça, vous allez quand même pouvoir courir dans l'eau. Et oui, j'ai bien dit courir, parce que là, on va pas faire que nager. Même si vous n'avez pas la race Shark qui permet d'aller dans l'eau, alors là, vous pouvez quasiment aller dans l'eau, rien qu'avec le fruit. Et oui, mais bon, il faut falloir être transformé. Pour l'instant, je ne sais pas encore si vous n'êtes pas transformé, vous pouvez courir dans l'eau. Ils ont quand même pensé quand même à Naruto, ils se sont dit, wesh, là-bas sur Shinobi Life, on peut courir dans l'eau. Pourquoi ne pas courir ici? Mais bon, là, ils ont mis ici, et là, on peut courir dans l'eau. Mais mis à part ça, la transformation, une fois que tu es transformé et que tu es debout, tu regardes quelqu'un, tu lui fixes des yeux avec tes yeux rouges, quand même, ça fait quand même une autorité assez extraordinaire. Mais bon, mis à part ça, nous avons aussi la fameuse sword qui se nomme Fox Lamp. Ouais, il a été quand même mis sur Twitter. Et donc, ce qu'on pouvait voir là, le skin de MyGame43, on peut voir quand même qu'il a le. Il a quand même la sword derrière lui. Voilà, c'est quand même incroyable. Et là, les attaques. En même temps, si on passe sur le showcase, la première move, en faisant quand même une sorte de cercle bizarre, ça donne quand même envie quand même de l'utiliser. Et oui. Moi, personnellement, je pense qu'une fois quand même ça sera sorti, ce fameux son Fox Lamp. Ouais, ça peut sortir. La première move, elle est quand même incroyable. Moi, je kiffe trop. Mais la deuxième move, elle est encore plus incroyable que la première. Parce que la deuxième move, elle te fait penser à quelque chose. Un fruit quand même qui vient de Triwar, qui est le fruit de Ghost. Mais en fait, cette attaque quand même qui permet quand même de sortir une sorte de feu bleu. Mais sur le fruit de Ghost, ça sort du feu vert. Ouais, ça sort du feu vert. Et ça donne quand même un style assez incroyable. Et en plus, je pense que presque tous les combos, ils vont se faire commencer par ça. Parce qu'une fois que tu craches le feu bleu, là, une fois le feu bleu est fini, là, ça va injecter et là, tu vas pouvoir le grab. Après le fruit et la sword, maintenant, on va passer aux accessoires. Il y a deux accessoires. Le premier qui se nomme Kitsune Ribbon. C'est une sorte de ruban qui se met directement derrière nous. Comme vous pouvez le voir, il vient juste de spawn. Dans l'anime, normalement, il y avait une meuf qui se nommait Yamato. Et c'est cette femme qui avait plutôt cette ruban bizarre. Voilà. Enfin, l'information vient plutôt de Redius, mais pas de moi. Et aussi, il y a le masque Kitsune. Enfin, c'est le Kitsune masque. Voilà. C'est une masque de Kitsune. Je ne peux pas le dire mieux. À part ces deux accessoires, il y aura quand même une nouvelle île, là où tous les events, ils seront quand même organisés. Normalement, pour pouvoir obtenir la sword ainsi que les accessoires qui vont être ajoutés, tout sera mis dans cette nouvelle île. Donc du coup, il va falloir juste explorer, visiter, fouiller et un peu chercher partout afin de pouvoir trouver les NPC qui vont donner c'est tout ça, voilà. En soi, j'attendais bien après le trailer ou à la fin du trailer pour qu'on puisse trouver une date du jour fixe où il y aura la mage. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de jour où il y aura la mage. Mais dans la description, ils ont juste marqué que tout sera avant 2 semaines. Enfin, ils ont dit qu'on doit attendre 2 semaines, après on aura tout. Mais bon, donc du coup, c'est ce qu'on va faire. On a jusqu'à attendre 2 semaines et après, à la fin de ces 2 semaines, on aura peut-être cette nouvelle mage qu'on aura le Kitsune ou pas. En tout cas, personnellement, moi j'attends bien cette mage et je suis très impatient de pouvoir utiliser ce fruit et le tester. Sur ce, moi je vous dis ciao. Et d'ailleurs, après l'avoir vu dans mon inventaire, oubliez-le.